Devant moi, chère Nathalie, il avait une jolie nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suis fait par ce froid dimanche, Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. J'ai pensé déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui ai pris son bras, elle a souri. Elle avait les cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir. Nathalie, quand il Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées, on a tout mélangé et a chanté. Et puis, il en débouffé en riant à l'avance du champagne de France et un ladan. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Plus de questions, de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'était plus là. Fini le tombeau de Lénine, le chocolat de chez Pouchkine. C'était loin déjà que la vie me semble vide. Mais je sais un jour à Paris, c'est moi qui lui servira de guide, Nathalie. Merci.